Bonjour tout le monde, ici Pika Bafuxi. Pour notre épisode de Silent Hill 2 Remake, on est dans l'hôpital. On a commencé l'hôpital, on a rencontré notre première infirmière. Ok, on a les toilettes ou la blanchisserie. Je vais commencer par la blanchisserie. Tout va bien à la blanchisserie. Il n'y a pas de monstre. Non, non, non. Ben non, c'est bien correct. Ça met de la vie dans le chat. C'est ça que j'aime. On va aller aux toilettes? Non, c'est bloqué. Ok. Infirmière? Non. Je vais aller par là. C1, c'est quoi C1? Transcription d'entretien avec un patient. Annotation d'entretien suivant a été réalisée avec, suite à l'accident numéro 71. Je me souviens d'avoir été allongé dans l'eau, à l'aise et vide, puis je l'ai senti. Je l'ai senti m'observer. Je l'ai senti grandir. Je devais partir. Je devais m'enfuir. Mais il m'emboîtait le pas. Il continue d'observer. Il fallait que ça sorte. Je suis à nouveau vide. À l'aise et vide. On peut retourner dans la piscine? What? Ok, j'ai-tu noté ça? Ça va être important, ça, un œil. Dans la piscine. Est-ce une piscine? Non. Piscine. Il y a quelque chose, là? Œil. Je pense pas que je peux aller en piscine pour l'instant, right? À moins qu'il y ait une façon de descendre, là. Pour l'instant. Dans la douche. Oh non! Ok, ça nous retourne ici, un petit shortcut. You son of a bitch! Je l'avais entendu. Je savais qu'il était là. Ça, ça fait du bien. Ça, ça fait du bien. Je sais pas ce que je fais ici, honnêtement. Plus à pompe. Optionnel. Reste couché, toi. Attends pas. Bureau du médecin. Je peux y aller. Je peux y aller. Ah,
Oh shit. Pas mort, mon hostie. Je vais aller là. Un save. Non, son rough. Qui est plein d'affaires, allez voir. Peut-être qu'ils sont plus corps à corps comme des gars, eux autres, par exemple. Bureau est barré. Okay. C'est l'autre bébé qu'il faut trouver des morceaux, je te gage. Il y en a dans chaque coin, chaque place qu'on découvre. Il nous manque un bouton. On peut pas vraiment. Il nous manque un bouton. Coffre. Ça c'est quoi? Une clé? Je peux pas juste. Trois bracelets. Ok, les trois patients. Probablement. Patient numéro 130. Chambre S3. Transféré en L1. Premier symptôme, anxiété intense et continuelle, diagnostic actuel, évolution des symptômes à véritable paranoïa, hallucination visuelle, recommandation, dosage supérieur des médicaments, ne pas laisser sans surveillance, à transférer en L1 pour une meilleure surveillance. En L1. J'ai pas été dans L1? Non, j'ai été dans L3. L1 est par là. Ok. Chambre C1. Premier symptôme, abcès de violence soudain, hallucination auditive et visuelle, diagnostic actuel, thérapie actuelle, blablabla. Qu'est-ce que j'ai raté? Recommandation, poursuivre la thérapie actuelle obsolète. C1. C1. J'ai déjà été C1. À côté. C'était pas ça la piscine? Oui, ok, c'est un, c'était la piscine, ok. Patient numéro 90. Chambre D1, premier symptôme, hallucination sensorielle, diagnostic actuel, insomnie, refus de s'alimenter et de boire. Les hallucinations persistent. Recommandation, alimentation, hydratation dans la contrainte.
bains requis offerts dans la salle de soins, somnifères, surveillance permanente. Ok. On a dit D1, ça doit être quatrième étage. C'est dans une salle de soins aussi, peut-être? En haut, ok. Bon ben. T'en mets-tu une niaise, là? Tu peux rester couché, asti. J'ai pas mal de fois, il va falloir que je te tape. T'as voir de quoi ici avec moi? Non? Le nombre de sang qui est là, je pense qu'il est mort pour de vrai. Là. Hello? Le M4 ça. Okay, M4 est barré. L1 barré. M2 barré. M1. Ça, mon ami m'a dit que c'était le souvenir dans l'original. J'ai des petits flashbacks qui nous montrent de l'original, du jeu d'original. Oh my! Il y a une porte là, je sais pas pourquoi, mais pas, elle n'apparaît pas dans mon affaire. Ça des femmes. Un ourson en peluche plein de sang. Qui a écrit ce que c'est ça? Tu veux que je fasse quoi avec ça? Crocheter une aiguille tordue. Mama. Oh, mama. Un bon 12 dans le derrière. Montre-moi ta puissance. Ouais, vite, hein?
faut aller par là. Oh, hello. Sa job. Très bien sa job même. Une TV. Un chiot. Non. Clé L1. J'ai quand même exploré partout. Salle de soins, on peut pas y aller. C'est un clavier à code qui a rapport avec le... Ça, c'est barré. Est-ce que je peux... monter, descendre. On va voir. Un oiseau. Hey, are you okay? Go away! Don't be afraid, I just want to talk. Bizarre la petite fille. Moi, faut pas je faut je continue dans l'étage que je suis là. Il va falloir que je ramasse mes noir comme dans le cul d'une poule, c'est incroyable. Je sais pas ce que je recherche site là, mais... la mort. Fort probablement. Qu'est-ce qu'il fait ce gars? Chose qui est cachée, right? Oh fuck. La marde va pogner. Est-ce qu'on voit quelque chose de pas très gentil?
Ils l'ont emmenée la fille aujourd'hui. La pauvre n'a pas dit un mot. Elle reste assise, la tête dans les mains, à pleurer en tremblant. Je l'ai placée dans le lit du coin. Ça semble l'avoir calmée un peu. Je crois qu'elle m'a même souri. Oh, nice. Ok, le monstre, j'ai un 12. Je vais te le dire tout de suite, là. T'aimeras probablement pas ça avoir un 12 en face. Si t'as une face. Parce que la plupart des monstres, ça date à aucun visage. Fait que c'est. Hello. Qu'est-ce qu'il fait ce bruit super amusant là? Qui pas quoi? De que c'est que quoi? Je suis rendu où, Chris? Tu veux vraiment descendre? Où suis-je? Je suis retourné au premier étage. Médical. Pourquoi il m'aide pas? Pourquoi il me garde là-dedans avec lui? Je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir. J'ai trouvé un bracelet à date ou pas, là, mais. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Première, il faut
faut juste que je remonte. Puis que je descende. Que je monte, dépendamment de... Xavier Accord, c'était quoi déjà? La salle de soins? Salle des médecins? Salle médecin, là. Je vais aller là tout de suite. Laura était là. Comment faire pour aller là? C'est une autre affaire. C'est bien correct. Aiguille tordue, à quoi ça sert? Une aiguille tordue. Pense à ça. Je suis pas obligé. Pensez-vous que l'infirmière est de retour sur ses pieds? Non, je pense qu'elle est morte. Quand ils ont du sang autour d'eux autres, je pense qu'ils sont morts. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Faut que tu les tapes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus. Je vais aller en haut. Ça va d'où cette putain là. Très juicy as fuck. Oh! Bonne soirée, Miko. Moko. Bonne soirée à toi. Bon retour au travail. Puis bonne nuit. Fais de beaux rêves. Rêve à Silent Hill. Ça va faire des beaux rêves. Chez ces autres, ils font ce bruit-là bizarre. Ça va, madame? Ah!
S'il n'y a pas de sang, c'est pas tapé assez fort qu'il y ait du sang. Ça amène où, ça, cet escalier-là? Toujours plus haut. Je sais pas quoi que le genre de Pixar, là, pour être honnête. Qu'est-ce qu'on a dans le fond? On a D2, D1, salle d'examen 5 et salle d'examen 4 et salle de radiologie. D2. On pourrait avoir des... Note d'observation, patient numéro 90. Jour 1, transfert pour l'observation, malnutrition, respiration saccadée, évite le contact visuel, agitation en présence du personnel, affolement au toucher. Jour 2, refuse la nourriture solide, sonde nasogastrique requise pour l'alimentation, administration d'antagonistes de la sérotonine pour réduire nausées et vomissements. Jour 3, bain et alimentation sous contrainte, préparer la salle de soins à cet effet. Malnutrition aggravée, manque d'oxygène, blessure auto-infligée suspectée par de confirmation. Quelque chose ne tourne pas. Tourne pas quoi rond? Quelque chose. Un F inner ward. Clé cour intérieur rez-de-chaussée. Dr. Andrews, nous avons fourni les radiographies que vous souhaitez. Cependant, il semble que le dossier soit incomplet, car l'une des radios est introuvable. Nous enverrons quelqu'un au plus vite quand nous l'aurons trouvé. Prévenez-moi s'il vous faut autre chose. Il nous faut une autre radiographie qui nous manque.
Après la radiographie, il manque une radiographie, donc je peux pas y aller. Mais j'ai une clé pour. Je sais pas quoi. Peut-être une porte que j'ai pas encore été. Jardin. Clé de la cour intérieure de l'hôpital de Bowenven au niveau 1. Inner ward, cour intérieure. C'est peut-être pour les douches, whatever. Pour l'instant. Je pense qu'il nous reste juste à descendre. Tout en bas. Oh. C'est peut-être pour ça que la clé. Fuck that, hein? Tout va bien, pas de bestioles vont sauter dessus, ils ont tout tué. Right? Hey, toi, tu vas te relever encore une fois, là. Se coucher sacrément. Peut-être que je peux mettre. Rez-de-chaussée. C'est peut-être. What? C'était pas ouvert ça là? There you go. Ça veut dire que je suis dans le bon chemin.
On va se battre corps à corps contre cette affaire-là. Let's go. J'ai jamais acheté ça. Fuck that. Sale commune. En masse de balles, hein? Pharmacie. Ok, attends. Je veux pas aller là tout de suite. C'est barré. Ok, ça c'est connecté à ça. Ce cas rappelle de façon inquiétante un incident qui a eu lieu dans l'établissement il y a quelques années. Le patient avait été admis sur ordre du tribunal, mais avec le consentement de ses proches, son état semblait s'améliorer. Les premières semaines, les médicaments associés à des séances individuelles avec un psychologue et de l'art-thérapie avaient réduit son aboulie. Ces années d'ennui de son repli social, il n'y avait aucun motif de s'inquiéter, jusqu'à ce que le gardien de nuit remarque la disparition d'une de ses clés. Qu'on l'a retrouvée, il était déjà trop tard. Balle de pistolet. Clavier de code. Oh! Ok. Je peux monter en haut puis aller chercher ça. En même temps, je vais voir si Marie est tout à fait 100% ok. Allez, Maria. Hey. Any luck finding Laura? Not yet. How are you holding up? I'll be okay. Just need a bit more rest. Ah.
Faites pas attention, si tu entends des infirmières dehors. James. C'est tout à fait normal. Thanks for checking up on me. It's very sweet of you. Yeah. Get some rest, I'll be back soon. Donc c'est quoi qu'on avait vu comme note? 1, 2, 3, 4. Salle de soins, des barreaux, on l'a checké. Hello? Oh shit. Ça, c'est de l'insecte. Ils me nourrissent d'ordures et de viande pourrie, grouillant de verre pleine de tendons. Ils me font mordre dedans, les joues rouges et jaunes giclent au fond de ma gorge. Je m'étouffe, j'ai des haut-le-cœur et je vomis, jusqu'à avoir mal à la gorge. Un tuyau de chair douloureux. Je recrache tout, mais le goût reste. Yummy. Les insectes sont partis. Okay, je peux retourner au deuxième, je pense. La radiographie. Tu me dis qu'ils se sont relevés. Encore leur masque. Que je dois faire avec la radiographie moisie. Est-ce que je dois la nettoyer, c'est quoi?
salle de soins post. Bestiaire des femmes. Y a-t-il quelque chose pour nettoyer les. J'étais partout pas mal, ça. Pareil de radiographie. Salle d'examen. Seule option que j'aurais, ça serait descendre en bas puis explorer le bas, là. Pharmacie, toilette, garde-manger. Je pense pas qu'il y a quelque chose d'autre ici, honnêtement. Quelque chose que je peux combiner. Il y a peut-être un item que je peux trouver pour la modifier. Mais ça fait 2 heures qu'on joue, donc on va arrêter ça ici. Prochain épisode, on va continuer dans l'hôpital. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir été à tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.